Voilà, c'est ça et ça. Un jour, un type a pendu ça. Ce type, c'était lui. Plus tard, un autre type est parti de ça et il a fait ça. Ce type, c'était lui. Ce sont deux figures, deux monuments qui se ressemblent, qui se font face. Comme une église romane et une cathédrale. Ou peut-être une cathédrale construite sous les fondations d'une église romane. Ou la tentative d'achèvement d'une église romane. Pourquoi imiter ce qui est déjà beau? Qu'est-ce que c'est que ça, au fond? Du plagiat? De la copie? De l'imitation? Un palimpseste. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Orwell. Orwell? Il faut que j'aille un petit peu avec lui maintenant, mais je vais revenir. J'irai où vous voudrez. Vous ferez de moi ce qui vous plaira. Vous ne croyez pas? On n'aurait pas dû autoriser cet individu à circuler librement. On n'a que mis une heure. Gaspard a donc pour projet de raconter comment un individu se comporte, placé dans un mouvement. Vous êtes en retard. Vous avez, par votre attitude de ce soir, irrémédiablement compromis les avantages qu'un accusé peut espérer d'un interrogatoire en bonne et due forme. Voilà le cas qui nous intéresse. C'est lui, le vrai accusé, Monsieur K. C'est lui que nous recherchons. L'autre modèle. L'homme à souhaiter, à copier, imiter, à cloner, à repeindre. Mais quel homme pourrait rentrer dans la peau d'Anthony Perkins? Cet homme, ou cet homme, ou encore celui-là, lequel d'entre vous est Joseph K? Devant les portes de la loi, c'était un garde. Un homme arrive du pays qui demande accès à la loi, mais le garde ne peut le laisser entrer. L'homme attend dans l'espoir d'être admis. Je l'ai déjà entendu. Tout le monde l'a entendu. Il attend toute sa vie, et puis quand il est sur le point de mourir, le garde lui dit que cette porte était là pour lui, et seulement pour lui, c'est ça, n'est-ce pas? Alors j'ai perdu mon procès. Et puis après, vous, vous avez perdu aussi. Tout est perdu. Tout! Est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie? Vous voyez, Mein Kampf, le procès, la poétique d'Aristote, Fahrenheit 451, c'est que du papier, ça vous paraît. C'était qui, Brod? Max Brod? Nami, l'exécuteur testamentaire de Kafka, il aurait dû faire ça. Pourquoi? Kafka lui a demandé avant de mourir. Je crois bien que c'est fini.